Sois fort, mon ami! C'est la mère réalité de cette empoignade sans fin! Notre compagnon est mort au combat! C'est une mort digne! La seule qui va pour un guerrier tel... ta dignité! Il devait du fric, ce con! C'est intéressant, l'ironie de cette situation. L'ironie, c'est surtout qu'une brutasse en son genre a la besace plus en fourbi que les mâles d'une princesse bretonne en vadrouille. Ah, pourquoi que ça sonne? J'ai pas fini, moi. Non, mais c'est de l'autre côté. Bah, pareil, pourquoi qu'il sonne, c'est con? On vient juste d'arriver. J'en sais rien, moi. J'ai jamais rien pu piger au breton. Et puis, c'est pas avec les années que ça va s'arranger. C'est-à-dire? Quoi, c'est-à-dire? Bah, c'est-à-dire, qu'est-ce que tu piges pas dans le breton? Ah, parce que ça t'intéresse, ce que je dis maintenant. T'es plus en train de fouiller ton pote? Ça va, je peux faire deux choses à la fois, c'est pas la mort non plus. N'empêche que tout à l'heure, j'entamais une réflexion extrêmement pertinente sur l'ironie de la situation, et t'en avais pas franchement grand-chose à faire. Non mais ouais, mais c'est parce que j'avais bien senti que j'allais me faire chier comme il faut. Ah, bah si monsieur sélectionne aussi... Non mais vas-y, arrête de faire ta mijaurée et dis-moi ce que tu aimes pas chez le breton. Ouais, c'est quoi? Déjà, l'objectif de cette guerre... C'est quoi? Ah bah ça, moi je sais pas. C'est le patron qui décide. Moi on m'appelle, on me dit, Zif, y a une bataille, faut y aller. Bah j'y vais. Mais je suis pas du genre à tourner autour du pot. Hein. Bon, admettons, mais... Qu'est-ce que c'est que ça? C'est une manœuvre? Si c'est une manœuvre, pour le coup, c'est bien une manœuvre de breton. Parce que là, moi, je suis paumé. T'arrives à voir leur fanion d'ici? Drapeau rouge, drapeau noir deux fois. Et ça veut dire quoi? Bah je sais pas, c'est du code. Ça veut dire aller à gauche. Pourquoi qu'ils vont à droite alors? Mais parce que c'est des bretons, je te dis. On comprend jamais rien, ces gens-là. Ils sont pas accessibles, les mecs. Ils sont dans d'autres strates. Et oh, je suis encore là, je vous signale. J'entends même avec le casque. En plus, c'est complètement con, parce que notre flanc gauche, c'est Dédé qui le gère. Et c'est vrai que c'est un vrai gruyère. Drapeau rouge. Drapeau en V. Ça, je sais plus, y a trop de signes dans ce code. Les gars en haut, ils font des études, ils gèrent, mais nous, autres troufions, 75% de l'équipe, c'est des gens qui font de la betterave le reste de l'année. Alors le champ de bataille, c'est juste pour faire des... pour faire du beurre dans les épinards. Ils auraient peut-être dû miser sur plus de couleurs dans leur code. Peut-être, je ne saurais pas vous dire. C'est quand même marrant, parce que ce matin, vous étiez deux fois plus nombreux que nous, et là, vous êtes à peu près sûr de paumer. Bon, on était où déjà? Mais moi on me dit de faire ci, je fais ci, mais on m'aurait dit de faire ça. Mais dis quoi? Bah on m'a dit, je sais plus moi, mais disons que à partir de maintenant, c'est Dieu unique pour tout le monde, c'est fini les sacrifices dans la forêt, c'est fini les guérisseuses, prières régulières, qu'est-ce qu'il y a encore d'autre? Brosséliande, c'est du folklore, patati patata. Et il y en a même qui disent que c'est monogamie pour tout le monde à partir de maintenant. Non, sérieux? Ah si. Une gonzesse palascar. Remarquez, moi ça me change pas trop, hein. Déjà que j'en ai pas la moitié d'une. Non mais on s'en fout de ça! Il est là votre problème, les gars! Vous pouvez pas, 1, nier notre existence, 2, chercher à le prouver en cherchant un gobelet magique, 3, nous charger la gueule à travers tout Brocéliande, et tout ça au même moment, quand je vous mets une tarte dans la gueule. Vous voyez bien que c'est pas du folklore! C'est palpable, non? Ça y est, ils sont en déroute. Bon, bah moi, c'est pas tout ça. Ah non, 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 non. Toi, tu restes avec nous. Ta connaissance du code breton sera très utile à la cause de l'ogre. L'ogre roi du royaume de l'ogre. Ah, ça y est, je savais qu'il avait mon fric, ce con. Bon, là, du coup, on est sûr. On part sur un principe de prisonnier de guerre. Voilà. Bon, par contre, faut faire attention. Hein. On s'en fait toute une idée, mais finalement... Ça va, c'est pas si mal. Oui, voilà. C'est pas si mal. Ouais, vraiment? Ah bah oui, sur le papier, t'es nourri et logé. Et blanchi? Ah là, par contre, je vais pas te mentir, hygiéniquement parlant, c'est pas ça. Hein. Remarque, en ce moment, on n'a pas grand monde, donc ça devrait être chambre individuelle. Ah bah, c'est déjà ça, j'imagine. Après, moi, du moment que j'ai une porte qui se ferme...